Venez vous ranger devant la piscine. Les enfants de la classe de CM1 CM2 ont constaté des événements plutôt bizarres. Écoutez ce qui s'est passé le mardi 15 mars 2016. Ils arrivent dans les vestiaires. Vêtements sur le banc, afin que la fin de la période vous les trouvez facilement. Oui, maître. Château. Tout à coup, des bruits étranges les attirent vers les vestiaires. Ils ouvrent tout doucement la porte. Des dames de la piscine, venez vous ranger. Ils se dirigent vers les bassins pour commencer la séance de natation. Le premier groupe travaille avec Bonnie et Melvin dans le petit bassin. La maîtresse emmène le deuxième groupe au grand bassin pour s'entraîner à sauter très loin. Chivera. Sukamendo. Impossible de rester dans l'eau. Que se passe-t-il? Kylian, mais qu'est-ce que tu as? Je sais pas ce qui m'arrive, maîtresse. Ils recommencent l'exercice tous ensemble cette fois. Même résultat. Je vais m'occuper du groupe, c'est bon. Allez vous asseoir à côté du maître nageur. Venez, je vais vous expliquer le premier exercice. Vous allez sauter dans l'eau, s'asseoir au fond du bassin et appuyer sur vos pieds pour remonter le plus vite possible. Vas-y. Ici, tout semble normal. Mais en sortant de l'eau, les pieds des nageurs se sont palmés et ils collent sur le sol. Malgré les efforts, impossible de bouger. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans cet endroit? C'est absolument étrange. Il faut absolument qu'on parte. Mais il faut garder une bouteille. Va la chercher pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je suis le dieu de l'eau. Je me suis manifesté ainsi afin que tous les enfants de Saint-Laurent prennent conscience de l'importance de l'eau. Sans l'eau, nulle vie n'est possible. Chaque fois que vous utiliserez ce trésor, vous vous souviendrez de ce jour mémorable et vous penserez à respecter l'eau tout au long de votre vie. Si vous êtes d'accord avec moi, répétez. Vive l'eau. Maintenant, vous allez aller prendre soin de l'eau. Allez, venez au vestiaire, on va se déshabiller. Voilà. Mais tu as l'eau.
Qui goûte tout seul sur la poche de l'eau. L'enfant d'une symphonie de Mozart, mais un poème de Paul Éluard. Le plus beau tableau de Picasso, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est...